Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette du fraisier au Monsieur Cuisine Connect. On va faire toutes les étapes au Monsieur Cuisine Connect. Alors là, vous allez le rentabiliser, votre MCC. Comme d'habitude, la liste des ingrédients apparaîtra dans la description de la vidéo. Passons tout de suite à la préparation. Alors on va venir commencer par la crème pâtissière mousseline. Alors pour cela, on va verser le lait dans notre bol. On va ajouter l'arôme vanille, on va ajouter les œufs. Donc les œufs, c'est 2 œufs plus un jaune d'œuf. On va ajouter le sucre et la maïzena. Donc là, j'ai juste oublié de filmer la partie où je rajoutais du sucre, mais vous mettez bien le sucre à ce stade-là. Ensuite, on vient fermer notre bol avec le couvercle et le gobelet doseur et on va venir programmer 10 minutes vitesse 3 à 100 degrés. Après les 10 minutes de cuisson, voilà ce que l'on obtient. La crème pâtissière a bien prise. Donc, vous voyez, la texture doit être assez crémeuse, assez veloutée. Donc là, ce qu'on va venir faire pour qu'elle puisse refroidir assez rapidement, c'est l'étaler sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier, de papier sulfurisé. Et on va venir la filmer au contact. Après avoir filmé notre crème pâtissière au contact, on va la laisser refroidir tranquillement, donc dans un endroit au frais de préférence. Donc après la crème pâtissière, on va venir s'attaquer à la génoise. Donc pour cela, dans notre bol, donc après l'avoir lavé, rincé et séché bien évidemment, on va venir y ajouter les œufs, le sucre et on va venir ajouter également le fouet. J'ai moi à cette étape programmé 4 minutes à vitesse 4 que j'ai fait deux fois. Donc j'ai donc programmé deux fois 4 minutes à vitesse 4. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez programmer directement 8 minutes à vitesse 4. L'idée c'est de venir faire blanchir le mélange et qu'il double de volume. On ajoute ensuite la farine et on vient programmer 2 minutes à vitesse 4. Alors voilà le résultat de la préparation de notre génoise. Donc on va venir la transvaser dans un moule beurré et qu'on va venir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. On va enfourner le tout entre 10 et 15 minutes chaleur tournante à 180 degrés. Moi, je comptais faire deux préparations de génoise, étant donné qu'il n'y a pas de levure chimique à l'intérieur. Mais elle a très bien gonflé, donc j'ai pas eu besoin d'en faire deux. Donc n'hésitez pas à ajuster en fonction de plusieurs paramètres, votre four, etc. Peut-être que ça peut gonfler, pas gonfler. Donc n'hésitez pas à en faire deux si vous voyez que vous ne pouvez pas trop couper, enfin pas trop la diviser en deux. À savoir que la génoise pour le fraisier doit être fine, elle ne doit pas non plus être super épaisse. On va ensuite venir terminer donc notre crème pâtissière mousseline. Donc pour cela, il faut que votre crème pâtissière est bien refroidie et que votre beurre soit à température ambiante, c'est-à-dire qu'il soit vraiment mou. Alors petite astuce, si vous ne l'avez pas sorti tôt le matin ou bien avant pour qu'il ait le temps de se ramollir, moi ce que j'ai fait, parce que j'ai jamais le temps, je l'ai mis au four à 50 degrés pendant je crois une petite dizaine de minutes. Et voilà, il était bien mou. Donc après avoir mis le beurre et le fouet, très important, n'oublie pas de mettre le fouet, on va venir programmer 6 minutes à vitesse 5. Alors comme vous le voyez, au bout des 6 minutes, le beurre n'a pas encore blanchi. Donc je vais venir ajouter 6 minutes à vitesse 4, donc toujours avec le fouet. Je vais retirer le gobelet doseur et on en profite pour racler les parois du bol. Une fois que le beurre a blanchi, on va venir y ajouter notre crème pâtissière qui doit avoir bien refroidi.
Donc, en ayant le beurre dans le bol, on va venir retirer le gobelet doseur. Ils vont programmer 6 minutes à vitesse 4. Et donc, par l'orifice, on va venir ajouter au fur et à mesure notre crème pâtissière. Une fois notre crème pâtissière mousseline prête, on va venir la transvaser dans une poche à douille. Alors en ce qui concerne notre génoise, donc après les 10-15 minutes de cuisson, donc à 180 degrés, on va venir retirer notre génoise du four. On fait attention, c'est très chaud. On la laisse refroidir et on va venir la diviser en deux. J'ai ensuite taillé ma génoise. En fait, j'ai retiré à peu près 2 cm, étant donné que mon moule de cuisson fait 18 cm et que j'ai réglé comment ça s'appelle? Mon cercle pour le montage de mon fraisier à 18 cm. Donc j'ai réduit 2 cm de diamètre pour ma génoise, tout simplement, pour qu'elle puisse rentrer parfaitement et que je puisse la garnir avec les fraises et la crème pâtissière mousseline. On vient ensuite imbiber notre génoise donc à l'aide d'un sirop. Donc moi j'ai fait un sirop aromatisé à la fraise, donc c'est tout simple. J'ai porté à ébullition 200 g d'eau avec 125 g de sucre et à peu près une cuillère à café d'arôme fraise. Et j'ai laissé refroidir. Il faut bien laisser refroidir avant d'imbiber la génoise. Une fois toutes ces étapes réalisées, il ne reste plus qu'à passer au montage. Je vous laisse regarder en vidéo. Ah oui, et j'oubliais, chose importante, à l'intérieur de mon cercle qui me sert pour le montage de mon fraisier, j'ai mis, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir à travers les images, un rouleau transparent de rhodoïde en fait. Ça va permettre de faciliter le démoulage. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre un spray graissant. Une fois le montage fini, on réserve au frais toute la nuit. Après avoir réservé au frais toute la nuit, on va venir démouler et passer à la finition de notre fraisier. Pour décorer votre fraisier, laissez libre cours à votre imagination. Pour ma part, je viens mettre une petite touche de crème. Donc cette crème, je m'en sers pour les toppings de cupcake. Voilà, c'est une crème également que je fais au Monsieur Cuisine Connect. À juste titre, je vous laisse le lien de la recette tout en haut et vous retrouverez également le lien à la fin de la vidéo. Je vous laisse regarder la suite.
Cette nouvelle vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, La Cuisine by Oui Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.